Hey, Hoyo Minasan, c'est Gunshow. Et aujourd'hui, on va se retrouver sur Ghost Recon. Ou Raccoon, je sais pas comment le prononcer. Raccoon. Raccoon. Chez moi de la pub. Woodland. Ok, donc là, je suis de retour avec Taisho et. On va dire. Roublard, voilà, je sais pas. Urogen. Ok, salut, je me casse. Salut. Salut. Je suis une fougère, je me saoule. Tu sais que tu peux... tu peux... Ça m'a roulé, il me suit, t'es. Allez, viens là, toi. Okay. Allez. J'en ai marre. Gourip, la vidéo, on parle plus. Ouais. Ah, ok, bon, attends, je lance le record aussi. C'est pas moyen que je porte un masque. Voilà. Attends, ça parle en même temps, là. On n'a pas toujours les mêmes trucs. Des fois ça parle, des fois ça parle. Ils sont en train de parler, alors attends. Je veux la moto. Ah, ils parlent pendant trop longtemps. Ah, c'est bon. Ouais, s'il faut une blague, ouais, c'est mort, mec. Ah ouais. Allez, on va faire l'intro. Hola, que tal, chicos? C'est Taisho, et aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 2 sur Ghost Recon Wildlands. Là, je l'ai bien dit, putain. Et je suis aujourd'hui en compagnie de Gunsho et de Ricardo, qui est là, hein. Ricardo. Oh là là, t'en Ricardo. Non, plus, on fait un super truc quand vous êtes Taisho, Gunsho, Ricardo. Non, j'en ai marre, je suis vite. Vous me voyez plus, je suis caché, je suis bah allez, on va ouvrir la porte, allez. Allez, c'est parti. Allons-y, rentrons dans le fil du sujet. Ah, faut lancer chacun son tour, allez, hop. Tu es blessé. J'ai eu droit à l'hospitalité du cartel. Ces Aoukas, ces démons qui m'ont interrogé. Disons que... Le recoulement suffisait à me faire vomir. Mais leur méthode n'était pas... Comment dire ? Ils s'appelaient Yuri et Polito ? Oui. Yuri et Polito. C'est ces enfoirés qui ont torturé Ricky Sandoval sous les yeux de Soigno. Ceux-là, je les veux. Tout ce qu'on a vu, c'est des sicarios en sauvant un Mao. Mais je n'ai pas vu Yuri et Polito depuis au moins 3 jours. Peut-être 4. Je sais pas ce qu'ils préparent. Il faut qu'on se rencarde. On fouillera chaque village, chaque camp, jusqu'à trouver une piste. Quelqu'un doit savoir quelque chose. Fouillez la province, piratez leur système, interrogez les lieutenants ennemis, parlez aux civils. Faites ce qu'il faut. On va passer le coin à la loupe. Bon début. Merci. Bon. On a deux de Bowman sur Yuri et Polito en cours de transfert. Mission accomplie. Bravo. Reprenons l'hélico, du coup. Ouais, non, c'est bon, on va pas prendre la voiture, ça me saoule. Bah pourquoi se faire chier quand on a un hélico, franchement. C'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est pas faux. D'accord, toi, tu te barres sur Gunsho, allez, salut. Non, non, je vais chercher, justement. Toi, je déplace un hélico, rien pour lui, t'imagines. La prochaine mission, elle est où, les gars? Attendez. Capto tactique, la mission. Ouais. En fait, il faut chercher tout plein de trucs dans la map. On va prendre le plus proche qui est. Ah ouais, c'est vrai. Donc on va c'est où bon alors? Là-bas. Où ça là-bas? Là-bas. Tu vois le point que j'ai mis ou pas là-bas sur B? B. 1,5 km, enfin 6. Ah, ça là où il y a le. Enquête de. Voilà, l'intel. Ouais, faut chercher 4 trucs là, donc on va chercher les 4. On va faire un, ça, pourquoi un pas. Pas. C'est la mission principale, donc on a pas trop le choix. Eh, allons-y, hein, ma foi. Et voilà le numéro 3. Peut-être. On peut aller plus vite, s'il te plaît. Qu'on peut aller plus vite? Ah ouais, on peut aller comme ça. Nice. Plus vite et un peu plus en hauteur, non? Bon, c'est bon. Ennemi numéro 3. Allez! Ah non! Remonte! Non! Oh là là, mais quel monde de lâches! Comment ils ont peur!
Je veux pas mourir jeune. C'est bon. Mon truc, c'est savoir où atterrir. Ah, j'ai freeze. Non. Non. Nomad, j'ai pas que c'est bon. Au bout du oh, mais je le sens. D'avoir besoin de notre aide. Moi, je vais me réfugier sur les hauteurs. Je suis un sniper. Mais mettez-vous au couvert, en fait, j'ai juste à côté d'un con. Les autres sont terrifiés oui. Par les attentes pas de Yuri et Polito. Le brasier de la révolution. Je les ai pas vus, c'est la minimap merde. Épargne-moi ta rhétorique, Katari. Dis-moi ce que tu veux. Un convoi du cartel doit bientôt traverser la province. Sa capture redonnerait non seulement des vivres, mais aussi de l'espoir à mes hommes. C'est dans vos cordes ? C'est carrément dans nos cordes. On est à la botte de Pac Katari maintenant ? Il a besoin là-dedans, de ce convoi. Normalement, je sais qu'il y a des gens sur la Vessa. Je me rappelle. Lui, on pourra lui demander de l'aide en échange. Voilà. Il y en a un là-dedans. J'en ai un troisième en visu. Voilà. Ensuite. Bon, pour l'instant, ça ira. Mm-hmm. Ennemi numéro 3. T'es tout seul, toi, copain ? Moi, les gars, je vais me faire celui qui s'est. Non ! Ah, bah. C'est bon. Y a pas mais t'es tout seul ? Ah, il chaud, il cherche les caisses de bouffer. Voilà, j'ai trouvé les nourritures. J'ai trouvé la nourriture. Encore un contact. Et voilà le numéro 3. Je vais faire le mec du bunker. Il y a 4 cibles devant moi, les gars. Ok. Il faut aller dans le bâtiment au middle. Okay. On évite de libérer les Boliviens emprisonnés. Ouais, on va le faire ça à la fin. Ça fout la merde. Ça, il faut le faire à la fin, ouais. C'est prise d'un fou. Moi j'ai 3 mecs sur une scène. Ouais, y'a 4 mecs sur la scène. Ouais, il faudrait pas. Et celui-là qui a les 2 petits points, il faut pas le tuer. Il faut l'interroger. Ouais, d'accord. J'aligne. Moi je peux aligner ces deux-là, là, qui sont là. Là où je mets le point. Les deux là où tu mets le. Ah ouais! Ouais! Deux là, ok. Pourquoi vous êtes là-bas? Moi je peux aligner ceux qui sont sur la gauche là. Ouais, bah c'est. Écoutez, faites-vous plaire de votre côté, moi je fais la mission, ok? Ouais, mais on fait un truc, c'est vite fait. Quand tu veux. Ah, mais y'en a plusieurs, y'en a 4! Putain! Bah oui! Ok, bah je tue celui-là qui a le micro et l'autre qui est allongé là. Attends, j'arrive. 1, 2, 3. C'est ça qu'il faut l'interroger. Je récupère le VIP. Ah ouais. Ah mais c'est un VIP. On ouais, c'est un VIP. RAS de ce côté. On doit le ramener où? Bah ramène-le à l'écho là. Hein? Où est-ce? Je sais pas, c'est un VIP. Non, c'est un commandant. Ah non, on peut pas embarquer. Ok, il faut le tuer en fait. Non mais c'est un chef. C'est un chef de groupe. Ok, bon. Je pensais qu'il fallait l'interroger, j'ai essayé de l'attraper mais non. Bon bah pendant que vous vous amusez, moi j'ai fait les marques. Regardez par là, une caisse d'armement. Donc c'est une caisse d'armement. On prendrait l'hélico ici, c'est plus simple pour partir. Ah oui, en haut ici, une caisse d'armement, non? On le voit plus. Là-bas y'a un... Ouais. Ça ira bien avec mes bottes. Ça irait avec bien avec mes bottes. putain. Ça va être cool avec mes bottes, hein, ouais. Bon, moi je m'entose sur une pose de snipe et voilà. Ouais, vas-y, tu te mets un point, moi je me mets de l'autre côté, hein. Toi aussi en haut. Tu vois le mec en haut? Là? Ennemi à terre. Tout en haut là. Tout en haut. Je sais pas si je peux l'avoir. Celui-là. Il est mort. C'est bon. Tout va bien. Là y'a un cible, faites gaffe. Dans un village où il y a beaucoup de civils. Ouais, c'est logique. Bah ouais. Non, on voit pas de mec là, il faut descendre. Je sors le drone. S'il y en a un juste là, il y en a un deuxième de l'autre côté. Ouais, je suis dans les. Bah, je suis derrière en fait, je suis dans l'église derrière. Ah ouais. Oui, moi. Je me suis infiltré. Parce qu'il y a un truc à récupérer.
Mais non, arrête. Ils vont griller, recule. En plein dedans. Je pensais pas que c'était un truc comme ça en fait. Ok. Donc faudrait revenir dans l'église, les mecs, il y a un truc important. Tu vois, il y a le chiffre. T'as chaud? Ouais. Perso, attends, je descends là. Merde. Ouais. Ah, mais il y avait un mec où? À côté de lui. Ah, ouais. Ah, bah non, il était pas. Ouh. Il fait mal lui là. Ah, salut. Du coup, je suis en train de chercher les mecs. Hein. Du coup, il y a un truc là-dedans, ça fait me faire repérer. Ah, du coup, en fait, d'accord, c'est bien ce que je me dis. En fait, si tu prends un truc, ça le fait pour nous trois. En fait. Ouais, il faut dire ce qu'on veut, en fait, parce que sinon, ça va nous niquer des trucs. Ah merde! Non! Kuro! Quelle chose, je le déteste! Moi j'étais tout tranquillement dans leur dos, je fais une petite affaire. Il tire d'où lui? Mais moi aussi! Il est bad tout au bout. Hein. John, il manque plus que toi, 38 secondes, allez! Hein quoi? C'est bon, vas-y, reste, t'as le temps. Il y a que des civils là qui arrivent. Tu m'as piqué les fesses! Dans les minutes! Ah! Tant que ça t'a fait du bien. Moi je te chute, c'est à cause de toi tout ça. Tiens ma belle, allez, c'est de ta faute. Je te déteste. Merci. Alors normalement là où il y a une caisse de ravitaillement, ouais. Dans ce document, il est question d'un capitaine de l'Unidad qui refourgue des prisonniers à Yuri et Polito pour interrogatoire. Y'a un autre. À tous les coups, il sait où sont nos tourtereaux. Le hic, c'est qu'il est dans une base de l'Unidad. Ils ont levé l'alerte. Ils doivent penser qu'on a foutu le camp. Sur le map, y'a rien d'autre ici. Putain, mais quel bâtiment ces types. Oh, tu as freeze. Ouais, j'ai vu ça. Bon, j'ai libéré les. Les moustachos là. Mais on fout le bordel, mec. On dit les moustachos, pas les moustachos. Pas faux, ouais. Les gringos. Les gringos, ouais. Y'a un truc là, je parie. Y'a le gringo, por favor, allez. Oui, un truc. Por favor. Ouais, je sais, moi j'ai pas l'accent. Ah. Enfin, je connais pas la langue, désolé. Ouais. Voilà. Du coup, alors attends, y a quoi à prendre ici? Note là-bas, et y'a un cache d'Intel. Un quoi? Un cache d'Intel. Un cache Intel, ouais. Bah c'est ce qui est marqué. Ouais, bon, on va chercher ça alors. De toute façon on va à Pat, hein, c'est pas loin. Quelqu'un a mis un point? Ouais. Moi. Point C. Point C. Ah oui, c'est là, ouais. Voilà, allons, et allons je vais chercher l'autre. Oye Yuri, ça fait combien de temps qu'il est pendu là? Je ne sais, amor. 12 heures, je dirais. Il vit encore? Vérifie qu'il respire. Oh. La bite crevée. Oh dégueulasse. T'avais pas goûté ça pendant la bêta? Ouais, il y avait ça à la bêta aussi. J'avais oui. Pas fumé. Ah, excellent. Leur victime consciente. Mais à l'époque, les vrais tortionnaires avaient pas besoin de drogue pour garder leur victime en état. Des amateurs quoi. Clairement, vu le peu de gens qui survivent à leurs interrogatoires. Un vrai tortionnaire, un pro. Il contrôle tout. Il sait où il va. Yuri et Polito, ils sont négligents. Ils se laissent emporter, ils font ça pour le plaisir. Pas pour l'argent, et encore moins pour l'art. Donc oui, ce qu'ils font, c'est brutal. Mais pas dans le bon sens du terme. C'est brutal parce que c'est... Vous voulez débloquer quoi, les mecs? Localiser les caisses d'armes, localiser les réductions, localiser les opérations rebelles.
Les caisses d'armes, bon. Ouais, les caisses d'armes, ouais. Les caisses d'armes, ouais. Le bloc, les caisses d'armes. Oh, la blague, elle était pourrie. De quoi? Non, il y a... Bah, j'ai suivi un monologue entre ton perso et le mien. Ah. Ouais, ça arrive des fois. On prend une voiture ou on prend l'hélico? Ou alors on prend une voiture pour aller à l'hélico? on va prendre un hélico. Non, on va prendre une voiture pour aller à l'hélico déjà. Oui, voilà. Ok, d'accord. Voilà. Écrase pas Joséphine, hein. C'est quoi qui est causé là-bas? Hein? J'ai entendu explosion au loin. Ouais, c'est le cartel, ça. Ouais, vu qu'on est mort juste ici, là, tu sais, je reviens sur les traces du crime. Hein, par ta faute. Ah oui, oui. Ouais. Au revoir, Tachio. Au revoir. Au revoir, Kyo. Oula, t'as chaud conduit, oula. C'est bon, je pilote. Ouais. Aux abris. On va jaune là. Ouais, je prends le point. Oh bah t'as bon, tu l'as déjà pris, bah go. Ouais. En plus, il y a un point de compétence juste à côté. Vu, on prend le point de compétence qui m'a l'air assez loin. Celui qui a sous B. Tu prends B, après on va sur C. Ça vous va? Oh, BC, ouais. Ouais. Allons sur B et après sur C. Vous allez voir le pilote, hein. La pilote! Ah, mais c'est une mission ici! Ouais, mais y'a un point de compétence, ça va passer. Bah, vous, y'a 4 gars. Non? Ouais, on veut. Comme vous ouais, voulez. Ouais, on peut faire les deux, allez. Oui, c'est juste à côté, en fait, on prend B et après on descend à pied, tu vois. Je sais pas. Mais là, on se prend en RPG. Non, par contre, comme c'est une mission, faut se poser assez loin. Pas en bout de piste, mais au milieu, quoi. Je veux pas dire, mais on s'est fait repérer, les mecs. Ah merde. C'est le mec qui dit pas juste à côté, bon les gars. Vous avez vu le pilote ou quoi? Pilote. Je vais essayer de prendre son retour dans la vie aussi. Bah, il faut pas y aller comme des bourrins parce que le chef peut partir avec l'avion, donc fais gaffe. C'est pas l'avion là, c'est... Regarde, c'est pas l'avion. Non, c'est pas l'avion. Faire une livraison l'avion c'est mieux. L'avion est ravitaillé et prêt à partir. Vous connaissez le proverbe. Ouais, mais je le conduis pas. Moi je le conduis, sûr. Non, tu te démerdes avec ça. Ah, moi je connais, si tu veux. Il faut tuer d'abord le mec qui a le bouclier en fait. Ouais, c'est ça. Moi je peux m'en occuper si tu veux. Il y en a que. Ok, ils sont 5. Moi je vais me positionner parce que là je suis trop loin. Moi je peux prendre lui si tu veux. Allez, on va faire la petite mission de voler l'avion. Faites les gars aussi qui sont à côté de l'avion. Hein. Je crois que je vais m'occuper de lui. Tu t'occupes, d'accord. Quand tu veux. Voilà. Oh là! Oh putain, j'ai touché l'hélicoptère. Enfin, l'hélicoptère à l'avion plutôt. Voilà. Du coup, là c'est fini, on a rasé le truc. De tous les côtés. Yep, c'est bon. Alors, voilà. On peut faire ça quoi. On peut faire le Jarabai tranquille, tu vois. Bah ouais, ma foi. De stress cet avion, putain. Je te jure. T'inquiète. Encore Rock, que c'est pas Apollo qui conduit, hein. C'est vrai que t'aurais fait peur. Oui. On le voit dans ma vidéo de la bêta. Fermé. Heureusement qu'il était à la manette. Lol. Lol. Alors, j'ai des points de compétence acquis, les gars. J'ai trouvé. Ah, mais ça qui conduit, donc il n'y a pas les dents. Un sicario qui va s'en bouffer. Oh, t'inquiète. Vu la thune qu'ils font, il pourrait faire une médaille de classe. Là, bon, je te ramassais. On va faire cette mission et après on revient pour faire le point C, ok? Putain, ouais, j'ai pas de parachute, je suis stressé de ouf. Ah ouais, t'as bien tiré dessus, ouais. Où ça? Non, j'ai pas tiré dessus. Non. Fume. Allez, viens. Ça fume? Non, mais c'est normal. Non, mais c'est l'hélico qui fume, c'est normal. Putain de merde. Vol. Nous sommes sur Airlines Taisho. Allez. No.
je regarde. Ouais, il faudra l'amener à 3 km. Moi j'ai trop peur, moi j'ai fermé pour une compétence. Bon, on porte notre confiance à Taisho. Oui, tellement. Tellement confiance. T'as la confiance ou pas? Allez! Ne crache pas! Oh, je peux pas encore débloquer le parachute. Mais... Tu me fais confiance ou pas? Allez! Wouhou! Je suis rassuré à l'arrière. Je te jure que. Bon, ça va, mais tu conduis mieux pour en tout cas ce truc de merde. Bah oui, c'est simple. Non. Bah, il faut longer la rivière pour arriver bien droit en fait. Et maintenant, il faut commencer à ralentir. Putain, je suis content. Oupla a quitté la partie. J'ai freeze. Putain, il a freeze. Oh non. Non, je t'en mets bien. Rip in peace. Alors, c'est qui est le pilote là, hein? C'est qui le pilote? Moi j'ai rien vu. Putain, j'ai freeze. Ils vont me laisser dans l'avion. Ok, on a qu'à laisser l'avion ici. Comme ça les rebelles seront. Mais quel bande de con. Moi je suis un pilote, les gars, qu'est-ce qu'il y a? Putain, ça me dit que vous êtes déconnecté, votre. Ouais, t'as été déco. Ouais. Non, mais je peux pas vous rejoindre. Merde. Quelle ça, c'est une décoration. J'ai l'impression que ça sort d'une boîte de céréales. Quel est le fuck? Pire, de l'Air Force. Je peux pas vous rejoindre. Bah ouais, ça sort d'une boîte de céréales, mais ouais. Moi je veux vous rejoindre. Je please. Hey, voilà, la vidéo de Ghost Raccoon est finie. Donc voilà, j'espère quand même cette vidéo vous a plu. J'étais voilà quoi, c'était OP, on va dire, avec les deux camarades que j'ai eu avec moi dans cette game, avec Taisho et Kulogen. Donc voilà. Donc je vous souhaite vivement d'aller voir leur chaîne pour voir qu'est-ce qu'ils font d'autre aussi. Donc voilà, donc mettez en commentaire ce que vous avez aimé dans la vidéo et likez si vous avez aimé bien sûr et partagez, et on se dit à plus tard pour un autre épisode de Ghost Raccoon et autre chose, enfin autre jeu plutôt sur ma chaîne. Allez, c'était Gacho, bye bye.